Et là, c'est l'équipe avec laquelle je pars. Je peux vous dire que ça va être très dur pour moi de quitter mon pays ce soir. Les gens que je vous montre là, c'est des gens qui ne sont pas confrontés à ce problème. Ces gens-là n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas ce problème de tsunami, de vol comme ça, où je les ai. Ils m'ont accompagné, mais ils ne sont pas confrontés à ce problème-là. Vous savez, j'ai écrit à des sociétés en Guadeloupe, en Martinique, pour leur dire, voilà, je suis un jeune Guadeloupéen, j'ai envie de porter une initiative, de donner une force à mon pays. Et les entreprises qui me disent qu'ils gagnent des milliards d'euros, hein, c'est pas notre problème. C'est le problème de la région, c'est le problème de l'État. Oui, mais vous avez des clients, le client va peut-être mourir. Vous avez des salariés, ils vont être confrontés à ce problème-là. Ce qui dit du mal à redémarrer, puisque l'employeur se mort. Qu'est-ce que tu as fait pousser mon massacre? C'est pas notre problème. Je dis, ok, je reviendrai l'année prochaine et on se reparlera. Vous savez, j'ai reçu des mails la semaine dernière, des gens qui m'ont dit, bon, on n'a pas de compétences techniques, finalement, bon, on ne va pas trop faire l'exercice-là, on ne sait pas trop comment on va faire ça. Je me dis, mais ce n'est pas pour moi qu'on va faire l'exercice-là. Moi, je vis en Normandie. C'est vous qui êtes confronté au problème. Donc, comme écrivent mes mails, comme ils disent qu'on ne fait pas l'exercice, ok. Mais la question est simple. Dans 39 minutes, vous avez la mort qui arrive. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour Timoun Azot, qui l'école? Qu'est-ce qu'on a fait pour Madame Azot, qui a travaillé? Qu'est-ce qu'on a fait pour Travail Azot? Qu'est-ce qu'on a fait? La question n'est pas technologique. Et c'est pour ça que je suis très ému aujourd'hui, parce que les personnes qui m'accompagnent là ne m'accompagnent pas pour la technologie, c'est avant tout une aventure humaine. Ces personnes-là, et c'est ce qui me fait de la peine, j'ai été fait une conférence comme celle-là, dans le lycée Margaret. Tous les jeunes font partie. Ils ont tout fait la guémaga. Et lorsque je leur demande, qu'est-ce que je peux faire pour vous, puissiez rester, ils me disent, ramenez du numérique, connectez-nous, permettez-nous d'avoir un emploi qui nous permet de rester, de gagner notre guémaga. Ces jeunes me disent, vous savez, monsieur, on ne vous parle pas là, vous savez ce qui nous ferait rester, c'est qu'on sait qu'à Maraga, il n'y a pas de violence. Et comment devoir quitter Marie-Galante dans une société plus violente? On a un paradis ici. On a des gens qui ont du talent. On a des jeunes qui sont conscients. Mais c'est à eux qu'il faut donner la parole. C'est eux qui doivent être en France antique. On a des sportifs, on a des artistes, et ils me donnent aussi la force. J'écoute beaucoup leur musique, et je suis fier de nos sportifs. On doit aussi être fier de nos scientifiques. On doit être fier de nos techniciens.